Les gars, j'ai fait un masque. Je l'ai mis sur le nez, là, bam, et ici, genre. Tu vois? Son corps, non! Non, Walid! Non, tu t'enfermes pas. Voilà, tu t'enfermes pas, vraiment. Et Walid? Walid, il s'est pris à son tour. Vas-y, viens. Viens nous montrer ta tête. Vas-y, regardez son. Regardez comment elle commence. Allez, il veut vraiment se masquer le visage. Hey, madame. Je lui ai dit, Walid, faut pas le mettre ici et tout, parce que ça, la barbe, elle pousse. J'ai un visage d'enfant. Frérot, continue sur ta lancée. On veut bien voir ce que ça va donner ta tête toute noire. Juste pour te foutre de ma gueule. Non, on va regarder tous ensemble, on va analyser. Mais c'est bien comme ça. Ouais, bien. Tu vas voir, vas-y. C'est lourd, frère. Arrête. C'est du sale, le frérot, c'est noir. Aussi haram que le Insta de Anwar. Haram. Plus que au camping, avec ses chaussettes devant le feu. Plus. Non, je trouve pas. T'as pas? Non. Tu te souviens de quoi, toi, en fait? Attends, tu sais qu'on a fait la série La Déter? Ah, c'est pour ça que tu fais plus de sport, t'as oublié. Je veux réfléchir à ça. Chaussettes. Vas-y, mets ton masque, frérot. Tu veux que je te l'applique? Vas-y, tiens, filme. C'est peinturé. Ça va m'appeler Mozart dans le Mais passage. Moi, je suis pas l'autre là qui fait des cosplays. Ta gueule. C'est halal. Là, on est bien là. Pourquoi j'ai les yeux tout rouges quand je sors de la douche? T'es pas au courant que l'eau, elle se rend pas dans les yeux, ça se lave pas en fait. T'en veux sur les sourcils? Non, arrête. Tu m'as pris pour Bilal Hassani. Mais à quoi Bilal Hassani? Bah, il s'épile les sourcils. Quoi le rapport là? Bah, j'allais plus avoir de sourcils. Mais non, tes sourcils, ils deviennent plus noirs. Genre, ils sont plus visibles, ça me fait. Tu crois que c'est un custom ou quoi? Vas-y. Mais même pas dans la sourcil. Oh, tu me peins ou tu me mets un masque, frérot? Le masque, hein? Sur les réseaux sociaux. Le pif, il va subir. Oh, on voit plus mes narines. Viens, viens. Je veux pas que je perde ma vie. Tiens, monte la caméra. Non, mais fais comme ça. Monte le plafond. Ah, ok. Comme ça. Non, ben. Ah ça le fait bien. Bref, oh, tu le tires dans 15 minutes. Oh les gars, ça va déménager enfin. Les gars, j'ai acheté un manteau à North Face. T'attaques nous. C'est le même. Il a acheté un manteau à North Face. Oh voilà, du coup on va déménager. Là on a la grande chambre. Je vais faire TB le sort. T'as capté ou pas le bail? En caleçon, je fais TB. Hein. Bon les gars, l'énergumène est prêt. Vas-y, enlève. J'enlève? Attends. V, il me reste des traces de drift sur le visage. Alors, avis, expérience, est-ce que tu recommandes? Franchement, recommandation, ouais, d'où, frérot? Non, c'est vrai que je suis un peu clairé. Je sais pas pourquoi. Bon les gars, demain. Demain, y'a rien du tout, demain. Demain, y'a rien du tout. Du coup, on va vous filmer un jour où il va se passer des trucs. Eh, vu qu'il y a rien à faire, petit instant promo. Ah, son Twitch à lui, c'est Walid. Et moi, mon Insta, c'est Prism-Bois, Rambad, Sarigalgi. Sarigalgi, allez vous abonner tous les jours. Voilà, on est là, en live, on est là. Non, dis pas tous les jours. Mais il est là. Je suis là, mais pas tous les jours. Et lui, il est là, mais encore moins tous les jours. Oh là là, on se retrouve partie 2. Vous Après savez un an. Vous savez où c'est quand même. Non, ils ont oublié, je crois. Non, mais viens, faut leur montrer. Ah, toujours. Voilà. Nous sommes chez Jacques Agency, monsieur Zachary de chez Automoto. Votre guide, ce sera l'MZ. Bonjour, je suis l'MZ, guide Chinoruto. Toujours les mêmes saveurs ici. Ça pue vraiment. Mais le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que là, ça pue pas. Mais là, ça pue. Ouais. Non, attends, avance un petit peu plus. Ouh, loulou. Wow. Je sens ton odeur après un five là, loco. Viens. Qu'est-ce que tu fais quoi, toi? T'es assis dans un camion. Hein. Déjà, un humain normal, il rentre pas ici. T'as la tête plus grosse que le corps. Tu fais 50 kilos. Viens voir, on a chopé ses cheveux. Viens, regarde avec les animaux là-bas. Regarde ses cheveux. Viens le montrer. Regarde ce qu'il a sur le crâne. Walid. Voilà, VCV, son TRV, c'est Allez, jusqu'à là pour cette blague. Tu fais 50 kilos. 39 la tête, 1 le corps. Ça fait 48. Eh, on va faire du stun. Avec Ayoub Stunt. Voilà. On va faire du stunt, les gars. C'est léger. On va faire un grand tour. Après, on va essayer de. Et il va nous apprendre à lever aussi. Et il va nous apprendre à lever en plus. Maxi Kishtanono, t'es chaud patate. Je suis bouillant là, mais j'ai la main cassée un peu. Tram, tu vas frapper ou tu vas mettre un volant? Depuis quand t'as le permis? Moi, il doit passer. 4-5, tu fais la folle. Tu nous fais une démonstration, je te filme. C'est pour charger ma téléphone. Tiens. On va aller dans le volant avec sa folle. Voilà. C'est vrai que quand je me regarde un peu plus proche, je suis sacrément moche. Au moins, vas-y, garde-la. Tu me la gardes devant. À coup de parking. Ça, t'es concentré. Ah ouais. T'as juste appuyé sur une pédale, mais bon. Stan, Nono, t'en penses quoi de ce séjour dans la voiture là? C'est pas aller trop vite quand même, tu vois, c'est quoi? Il s'est juste garé le frérot. Ouais, mais derrière, il faut enchaîner. Que je fais une craignette. Puis depuis que tu aurais fait ce que j'ai fait, tu aurais calé. Vas-y, Nono, fais demi-tour. Wesh, Nono, pourquoi tu veux pas conduire? Je fais pas conduire, moi, les voitures. On m'a dit, tu es une craignette. Oh, frérot, tu m'amènes pas au Hazi, j'ai une caisse. J'ai pas le permis, je me suis fait péter par la gendarmerie. Ils m'ont fait le test salivaire, les enculés. Ils m'ont niqué mon permis, la vie de ma mère. Là, je vais avec Caillou. Chercher un autre stunt. Aussi des casques. Et le port du casque, c'est obligatoire. Voilà. Obligatoire. C'est obligatoire. On va chercher des casques. Là, on va chercher des casques aussi. Donc désolé. Oh, le Insta, c'est Ayoub Stunt. Ouais, il va vous régaler. Le casque, malgré tout.
là et merci bien. Ah bah là tu as fait de l'équitation. T'as un cheval, il s'appelle Nordine. Wesh, avec les abonnés de Marignane. Voilà, ça nous a streamé. C'est les meilleurs petites photos, on est mat. Marignane, on est là. Les abonnés, hein. Ah, il craint le steak, les gars. Attention. Ouais, il a failli frapper un camion il y a 10 minutes. Ça se voit, il craint le steak, non? Ouais, mais on t'es pas avec l'MJ si un jour on le croise en moto. Bon, vas-y, on va commencer à partir. Et voilà, c'est les jegui. Voilà la team, on est parti. Voilà, moi j'ai pris le vest bouch. Voilà, il a pris le vest bouch. Tram good, il est déjà parti, il est là. Donc c'est parti, oh, c'est léger le 25 janvier. C'est un défi pour vous. Vous avez vu les deux trucs, les deux entrées? Et ben en gros vous partez, vous faites ça. Après vous passez par l'entrée là, vous faites ça. Et après vous revenez. 3, 2, 1, go! C'est fin du. Walid il a dépassé. Ah il a triché, Walid il a triché. Ouais j'ai vu. Ah il triche. Ah c'était hala cette course. Ah venez. Ah arbitre. Déjà la course c'était hala. Dès que t'étais là fallait revenir et faire le même chemin. Et toi je t'ai vu, t'as coupé. Non. Tu non, passes les panneaux frère. Donc Nono a gagné. Nono bien joué. Meilleur conducteur. Toujours plus de folie. Walid explique. Je vais m'allonger et je sais pas, il va faire un truc de bicycliste là. Bicycliste. Il va passer au-dessus de moi. Bref tu vas voir. Vas-y. Il a failli me charcler. Aïe. Nono qui passe à la trappe. Il nous touche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, arrange-toi. Ouais, il n'y a pas assez d'écart. Walid, t'es mort? Je suis sous adrénaline. Il teste des trucs carrément. Vas-y. Ah. Allez, debout. Il y a eu trop d'émotions. Comment te dire? Tu vois quand t'as sauté en parachute? Arrête toi, arrête, c'est noir. Non, je fais ça, j'ai plus de canettes. C'est celui-là, il court après le stunt. Ouais, il t'a arraché le sac ou quoi? Ah ouais, lui, c'est vraiment la bike life. Regardez celle-là, attention parce que les risques du métier. Attention, ne mange pas un terre-plein, Ayoub. Narcotrafic international. Oh. Et c'est un nickel. Il est bon ce bâtard. Hein. Et merci hein. Voilà, Ayoub Stunt, sur Insta, il s'affiche à l'écran. Voilà. Voilà, même lui il klaxonne. C'est bien, t'as raison frérot. Donne la force. Attends. Salam alaikum avec le stunt. Il est génial. Donc petite transition les gars, voilà, bien arrivé à Paris pour ceux qui se posent la question. En ce moment sur les réseaux je m'exprime pas trop, je suis un peu à l'écart on va dire, parce que ça monte à la tête tout simplement, que je ne sais plus quoi penser, dans mon cerveau je deviens parano à force. Du coup je m'écarte un peu, je fais 2-3 tweets pour vous prévenir qu'il y a des vidéos qui sortent, mais voilà. Du coup pour la reprise de mes streams, donc là je suis chez Srambad, j'ai pas d'appart encore, ma carte d'identité elle est périmée. Du coup pendant un mois je vais prendre Airbnb, je vais prendre la base de mes affaires, je vais commencer à faire mes streams là-bas, mes vidéos. Et puis après un mois, normalement, je devrais acheter un appart. Et voilà, c'est les jegui. Désolé pour l'inactivité, je le dis encore, hein, mais c'est répétitif. C'est pour ça que du coup, que je m'écarte un peu. Je dis plus trop de choses parce que à chaque fois, je dis excusez-moi, mais bon, c'est pas de ma faute et j'en ai marre de me justifier. Et surtout que je déteste ça. Mais je suis obligé, avec internet, je suis obligé. Du coup, voilà. J'espère que sinon, vous allez bien. J'ai pas trop eu l'occasion de parler avec vous sur mes lives, etc. Du coup, je suis désolé pour l'inactivité. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, les gars. Toujours garder le smile, tu connais. Du coup, voilà l'essence. C'était Walid. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la dernière à Marseille avant quelqu'un, un bon bout de temps avant qu'on reparte. Ici on se met en place, après on redescend à Marseille. Du coup voilà, je fais plein de bisous. C'était Walid, la famille, et à la prochaine.